Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Aujourd'hui, nous découvrons Le Fils de l'Homme de Jean-Baptiste Delamo aux éditions Gallimard. Une recommandation de Julie Mabillard de Payot Libraire à Genève. Dans Le Fils de l'Homme, Jean-Baptiste Delamo, comme dans ses précédents romans, il va nous parler d'une violence qui est quasiment héréditaire, comme un gène transmis surtout de père en fils, ce gène pourri. Pour mettre le décor de cet ouvrage-là, on découvre un maire et son jeune fils qui a une dizaine d'années, qui vivent dans une maison un peu délabrée. Et un jour, l'homme, on ne sait pas qui c'est, il revient, le père de l'enfant, et il revient après 6 ans d'absence comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire qu'il entre, il mange dans le frigo, il va se coucher comme si de rien n'était. Ensuite, la mère rentre et lui dit « On va partir aux Roches dans ma maison d'enfance, j'ai tout retapé, ça va être génial, on y va ». Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison, elle est dans les Roches, dans ces montagnes qui sont impraticables. C'est quasiment impossible d'y aller, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, on ne reçoit pas le courrier, enfin des trucs tout bêtes. Et on se retrouve dans une espèce d'escalade de la violence parce qu'on va comprendre que lui-même, l'homme, a vécu là-bas avec son père quand il était jeune, quelqu'un de très violent. Et il recrée en fait tous ces schémas les uns après les autres. Et on va vite comprendre qu'en fait, personne ne va jamais ressortir de ces roches. Merci. Sortir des roches. Merci beaucoup. De rien. Il apprend à vivre dans l'ombre de la douleur de la mère. Ses gestes se font plus lents et précautionneux. Ses jeux chuchotés dans la pénombre de sa chambre. Il reste sans cesse à l'affût de ses mouvements à elle, de son corps retourné dans le lit, de ses appels, de ses gémissements. C'était Le Fils de l'Homme de Jean-Baptiste Delamo pour Marque Page. On se retrouve bientôt pour une nouvelle proposition littéraire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.